parce qu'il n'y a pas de problème entre les deux, c'est que ça monte fort et qu'ici il y a de la neige. Parce que c'est parcouru qu'une fois par jour, cette île-là. Elle est parcourue par des trains de quoi en fait? Marchandises. C'est quel train, Philippe? C'est une rame à vide, vous savez, à Pévu. Des automotrices à vide qui vont à Cacampois pour le concarnage et qui viennent. Et on va passer sur le viaduc au-dessus de 125. C'est à combien de kilomètres à Peugem? Peugem, dans, je sais pas moi, dans une bonne dizaine de kilomètres. Ouais, un peu plus, quoi, 10-15 kilomètres. Philippe, on a de la chance, Philippe, parce que chez moi il pleut, hein, il pleut des cordes. Chez moi, on zille. Ça va être beau de la neige quand même. Ouais, ben, ça va pas tenir. Enfin, ouais, il faut en profiter. Non, moi je voulais que ça tienne jusqu'à l'école. On parle à combien ici maximum? C'est marrant le bruit. On dirait une tondeuse à cheveux. La tondeuse à cheveux est chaud, Mathieu. L'image va être belle sur internet. Ouais. Et là, tu vois un fond qui traverse tout. Ah ouais. Qui se fait écraser. J'ai déjà vu un fond qui se fait écraser. Ouais. Moi, oui, aussi. Regarde un peu. Ici, il pleut. Non, il neige. Non, là où j'ai pas mal, il neige. C'est de la... C'est des coups. Ça neige, il va se faire briser, c'est normal. Elle passe pas par le pare-brise, elle passe par en dessous. C'est quoi, la Toulouse, la Toulouse. Parce qu'on est près de la ville. Non. Tu vois, c'est quoi les Enderman? Quoi? Les Enderman? Ouais, c'est les trucs rouges. Il faut pas les fixer. Ouais. Tu sais, toi, ils apparaissent près de toi, mais ils sont pas méchants en fait. Ils sont méchants seulement si on les fixe? Ouais. Non, tu peux les fixer, ils vont simplement apparaître près de toi et te faire très peu. Et, quand ils tiennent un bloc, ils peuvent te taper, mais ils ne retirent que 2, 3, 2. Et quand ils. Une fois, il a piqué mon atelier, l'Enderman. Et rends-moi mon atelier, j'ai dit rends-moi mon atelier. Et pas toute ta base. Toute ta base avec des. Oh voleur, j'ai voleur. Ça se voit que tu regardes. Tu passes un jour, passe sur YouTube et marque Bio de Minecraft. Je te le noterai après si tu veux sur un papier. C'est. Regarde l'épisode. Mais c'est bon comme Casey. Non. Regarde l'épisode de Slender Forest. Mmh. On voit le Slender Mine. Tu vois celui avec une toute petite tête, que c'est une cravate et des longs bras. Ouais. Ben, on le voit. Il est super. En fait, ils sont pas qu'un, les deux. Ils sont carrément une colonie entière. Les araignées, le bien Minecraft. Ouais. Ils sont marrants, tu les tapes. Après, puis après, c'est là. Tu les tapes une deuxième coup, elle crève. Moi, tu sais qu'est-ce que j'adore? Moi, je rejette de la lave. Quoi? Je rejette de la lave. Tu joues en créatif? Oui, souvent, oui. Ouais, bon. Parce que moi j'aime bien tout brûler. Moi j'aime bien c'est de taper un cube d'une main et de péter, tu vois, l'obsidienne. Oh putain, l'obsidienne, j'aimerais bien faire une maison d'obsidienne. Pour toi, créatif, paf, voilà. Ça va pas être beau. Je m'en fous, hein, bah, tu vois, après. Tu vois. Après, je mets. Après, ça décore avec des tableaux et tout. Ouais. Par l'arrière. Je mets de l'eau et tout, je mets des fleurs, des trucs. Moi j'ai un mode spécial, c'est qu'en fait, tu vois la racine du champignon géant. Tu vois le truc qui tient, ouais, champignon. Bah ça en fait c'est un bloc invisible si tu le poses. Alors ça sert bien pour mettre les vitres et tout ça. Moi j'ai désactivé un de mes modes, tu sais pourquoi? Parce que j'avais le mode où les zombies pouvaient ouvrir les portes. Donc un jour, regarde, je savais pas ça.
Je suis en train de faire, je vais faire à manger. Je suis en train de faire cuire un poulet. Tout le monde, le zombie couvre la pomme. C'est un mort. Ils étaient pas tout seuls, hein. C'était une colonie de zombies. Moi, ce que j'aime pas, tu sais, c'est qui? C'est les squelettes. Ouais. Les squelettes. J'ai vu un squelette sur une araignée, moi j'ai déjà vu. La dernière fois, tu sais qu'est-ce que j'ai fait? Non, avec le bot, j'étais sur un cochon avec une épée. Un cochon zombie. Non, un cochon. Regarde, il y avait un cochon, il y avait la tête sur le cochon, ils étaient sur le cochon avec une épée, c'est mortel. Alors regarde, je suis comme ça. Alors on voit le cochon qui avance vite, l'épée. Comme le but. Oh non, j'ai l'impression que c'est à côté de moi, il va prendre le bot pour cramer. C'est bête, c'est ce que le squelette, il crame pas. Oui. Ma première aventure, tu sais, c'était sur quoi? Non, sur une île déserte. J'arrive, île déserte. Là, je suis une île de 30 cubes de large. Avec un petit bout de terre, deux bouts de terre, un de canard, deux de canard. Je suis arrivé dans l'île des bateaux. J'ai dû creuser pendant 15 jours pour le démerder. J'ai eu du mal à trouver du charbon. Par contre, c'est bizarre, je trouve beaucoup de fer. Charbonner de la terre, tout ça, tout. Pas de charbon. À un moment, je vais faire charbon de l'or. Enfin, c'est bien, mais c'est pas ce que je demande. Je mets de l'or. Voilà, j'ai le pain d'or. Maintenant, je fais quoi? Je mets encore plus d'eau, plus de pain. J'ai manqué de me faire tuer. Je remonte. Je creuse à gauche, le charbon. Enfin. Toi, t'es sur quel pas? Alors, moi, toutes sortes de marches. T'as déjà fait une allez, je sais plus comment elle s'appelle. Sur Vivian Island ou un truc comme ça, je sais plus quoi. Non, j'ai fait une map suivant le Père Noël, ça s'appelle. Alors, regarde, le Père Noël a manqué de me tuer. En fait, j'arrive dans le truc, il y a le Père Noël qu'on connaît tous, le gentil Saba, puis après, il y a la légende du Père Noël méchant qui a appris des noms qui sont dans de la glace, comme une magie. Oh, c'est sûrement fou. J'arrive avec une petite épée, en brique, je mets mon campement avec un chien, il y avait un chien juste à côté, le petit feu pour le réchauffer, je suis dans la crampe avant de dormir, je regarde. Je vois un truc là-bas qui bouge, j'ai dit, putain, c'est quoi ce truc? Je m'accroche, c'est le Père Noël, tout nu. Je le tape, je dis, non, c'est pas le Père Noël. C'est ici l'arrêt photo? Oui, c'est ici. Histoire d'avoir le petit là à gauche, c'est possible. C'était trop facile. Voilà, je vais à la montagne à un moment. Tu sais quoi? C'est loin. Il y avait un gros bloc de glace qui traînait. Il y a plein de... En fait, je pensais que c'était le Père Noël au début. En fait, c'était les lutins. Des putains? Les lutins. Alors que les tabasco, puis après, il y a un gros sombre noir qui arrive. Oh putain, le Père Noël, je me respectais. Pour 5 heures, moi, je me respectais. J'ai fait des coups. Je fais une charte tabasco quand c'est bon. Vous êtes mort. Félicitations, vous êtes mort.
Parce que bon, dans le sous-bois, ça sert à rien, quoi, du café. Bah ouais, mais on a toute la place, on met tout le monde, c'est ça le problème. Alors que à quai. Ah bah, fin, là, bah, il faut demander ta couverture et le signal fermé, alors. C'est ça, tout à fait. C'est chouette la petite place ici. Ouais, ouais. Ouais, effectivement. Là, Philippe ? Oui ? La liaison, les grandes affaires, elle est plus aussi facile. Quand on doit plus passer par là. Bah, j'avais demandé par là. Parce que je rentre ça, parce que j'aurais dû me dire avec le sauveur, on va mettre ma ligne, il faut avoir le temps. Je regarde la vraie, ça vient de trouver par ma ligne. J'avais demandé par ça, donc gagner du temps. Et... Ah ouais. We organiseren een speciale fotostop in Aert. Dus het is, de bedoeling is het mogelijk. De, het zijn JV, dus. Wacht, ik moet. Ah ja, J, dat is JV, Victor 5. Dat het zijn blijft rood. Zodat zo zal de overweg die een beetje daarna staat, gesloten blijven. En dan zou ik u verwittigen per telefoon dat onze trein klaar is. We organiseren een fotostop van 10 minuten ongeveer. Het is voorzien op de BNX. Is het? Ja. Oké, ja. Juliette Victor 5, ja. We moeten normaal langs dit zijn passeren. Maar we gaan een fotostop organiseren ter hoogte van de stationsgebouw. Dus als we daar 10 minuten blijven, zal de overweg ook gesloten blijven voor 10 minuten. Dus de bedoeling is, ik zou u verwittigen als de fotostop gedaan is, dan kunt u het sein openen. Oké? Dat is de bedoeling, wij organiseren een fotostop, dus wij stappen af van de trein. De mensen passeren op het andere perron en trekken een foto. En dus maar dat duurt een minimum van 10 minuten. Dus als het zijn Juliette Victor 5 open blijft, dan zal veroorzaken een groot alarm op de overweg. Die staat een beetje verder na. Oké, als u. En het is ook om te vragen: is er een trein die in de tegenrichting voorzien? Als we daar. Zal er een trein in de tegenrichting komen? Want dan zal ik u misschien een beetje later, als we daar zijn, bellen. Hè. Ik zal terug bellen binnen 10 minuten als we daar gaan komen, oké? Okay? Dat is beter. Hè. Het is om te vragen voor de afdekking. Er zijn mensen die foto trekken, maar ze oppassen ze niet. Van de trein die komt van de tegenrichting, van de druk. Dus ik zal u vragen als er een trein komt of niet. Dat is om zeker, voor de zekerheid in feite. Is dat goed? Allô? Ok. Allô? Bon, voilà, ça va. Elle a l'air dure, non? Elle a l'air dure, elle ne pas comprendre ce que je veux. Pourtant, c'est l'opérateur du truc, quoi. Mais elle n'a pas l'air d'avoir compris ce que je voulais. Quoi. C'est que, bon, soit. C'est vrai qu'on a gagné du temps, on va passer voir le côté, enfin, je sais pas, vous voyez. C'était pas prêt. Et puis, ouais, peut-être avec le déraillement qu'il y a des aiguilles qui sont... Ça c'est possible aussi, ouais, ça c'est possible. Et peu game, mais que le... On ne fait que passer. C'est Au pire, on avait fait que le 26. Non, et puis, oui. Après, la sortie ici du pont, ça n'aurait pas été dégueulasse. Ah non, ça c'est clair. Mais bon, s'il est déjà bouché... C'est la station, le bâtiment a été relogué un peu. Il a mis du verre autour. T'as vu là-dessus là. Ouais. Ah oui, c'est foutu. Quoi? Double vitrage. Ouais. Mais tu peux gratter tant que tu veux. Ça fait quelques TJD quand même. Ouais.
C'est la TJD au kilo ici qu'on vend. Ça, c'est... On aimerait peut-être supprimer 30% de 4 aiguilles. Ouais. La sortie du pont serait été joli aussi. Ah oui. Mais bon. Tu te souviens d'une photo avec une 1805 aussi. C'était un gros nœud ici. Oui, c'est vrai. Et on pourrait avoir la couverture de l'autre côté. Faudra avoir un amateur pour dire de... Ouais, il y a personne ici. Tu te mettrais sur les deux, voilà. C'est clair, hein, ça. T'as... C'est un pot qui a de la gueule, quoi. Anthrax. Oh, des camionnettes, c'est joli. De travail ici. Il y a le signal, on le voit, mais ça va, ok, pas de problème. Moi je crois que c'était le feu, mais bon, si le type n'a pas l'air de le bien comprendre... Donc... J'ai le téléphone pour ça. Voilà, il y a un... Y-Kibble. Ouais, tu vois, c'est cassé ici. Voilà, donc on va se voir. Il n'y a plus d'aiguilles, ouais. Ah oh ben il y en a un qui passe juste. Pas son aise, hein.
de jaune là, pas tout le temps. Hein? Oh, il a rien compris. Il a rien compris. Au moins qu'il y en a encore un enfant. C'est de... Oui, c'est ça. Il y a à la baie, il y a une petite valise blanche dans le... à la CPK. Là, il y a... à la hauteur de la valise, il y a quoi qui s'arrête de donner. Apparemment, il y aura une 10 cm de neige à voir. Ah, bien, bien. Combien? 10 cm déjà. Ouais, ça va dans deux jours. Impeccable. T'as compris. Allez, ça. Du téléphone pour la couverture. J'ai demandé. Donc, c'est à hauteur des 3 mois après le effet. Les gars, que j'arrive. 51 410. Elle ne déverrouille pas encore, hein, Alain, tant qu'on n'a pas la couverture. On arrive à acte. Acte, ouais. C'est quelle ligne, c'est 27? 53. 22, non? 15, je regarde. Il n'y a pas de parallèle prévu. C'est plutôt vers le signal rouge. Attendez, je vais prendre ma tête. On ne s'arrête pas à quai? Non. Ça, avant que ça retourne vers la droite, Alain. Oui, il y a une petite boîte et une petite balise, une boîte électrique. Ouais, ouais. C'est 410, hein, donc c'est vraiment assez précis. Si je lui avais la photo avec le soleil. C'est drôle, à chaque fois qu'on s'arrête, il commence à neiger plus belle. Non, c'est plus loin, là. Lâche. Il était sur le drag. Ils ont traîné comme une directing van mec, là. Het is om te vragen, is er een trein die komt in de richting van Mechelen? We zijn, we staan in Acht nu. Het is om te weten, plus loin, là, is er plus een trein loin. Komt uit naar Mechelen? In onze richting? Ja, ja, als je wilt. C'est à la balise blanche, là. Het is om te vragen, is er nu een trein binnen de 10 volgende minuten? In feite. Er komt niks, oké, dat is goed. Dus we mogen onze foto op onze gemak trekken. Dat is goed, oké. Dank u wel, het is vriendelijk. Ici, sur la balise, ici. C'est quoi en fait ça comme balise? Ok. C'est quoi comme balise? Ça, je sais pas. Oh. Donc le nez de la M, à la fin, la rue va appuyer. Eh bien. Quelle heure est-il? 10h40. Voilà, on regarde notre vidéo. C'est si elle fait chaud. Ah, peut-être pour débarquer, mais on peut arrête, mais retourner au thé tout de suite, c'est dès que les gens sont morts. On en a combien de Tiananmen? Tiananmen, c'est loin. Combien? Le prochain arrêt photo. 5000 km là. Ouais. Ça fait le 20. 5 km? Non, tu mets un 0 derrière. On va passer à la gare de Leuven. Ouais. On prend des gens à Leuven. C'est prévu un arrêt, mais je ne sais pas si on peut.
au-dessus. La voie au-dessus, c'est quoi? Je sais pas. Alain? Allô? Oui, Jean-Claude, je suis dans le train du PFT et Alain a fait cheveux à côté de moi et qui me dit que le, est-ce que le week-end du 14 qui a 7 ans pour être disponible? Ouais, c'est pas Nancy. Nancy, c'est un nom en fait. Elle tient péniblement. Hein? Elle tient péniblement. Tu marques avec un point d'interrogation. Thank you.